Idiot. Joyeux réveillon à toi aussi, ma chérie. T'as fait du shopping? Je n'allais quand même pas venir ce soir, les mains vides. Eh bien, moi aussi, j'ai fait les boutiques, figure-toi. Ça me va bien, non? Une couronne digne d'une reine. Et ça, c'est bien ce que je crois. Je t'attendais pour l'ouvrir. La fille qui en savait trop. Waouh! Si tu savais comme je suis fier de toi. Oui, enfin, tu sais, c'est qu'une maquette. À ce stade, il faut encore que je leur donne mon accord. Génial, qu'est-ce que t'attends? En fait, il reste encore pas mal de choses à revoir. Le cambriolage raté, les aveux du chapitre 16, la nouvelle fin. Tu l'as changé? Oh oui, j'ai hâte que tu la lises. Tu peux emprunter celui-là si tu me promets de me le rendre après. Je sais pas trop, ça pourrait valoir une petite fortune un jour. Ben. Ok, si tu veux, je te le rendrai, c'est promis. T'as intérêt. Super, merci. Megan? Oui? Syndra voudrait de nouvelles photos pour cet après-midi. Quoi? Mais je croyais que c'était réglé. Oui, sauf que le format ne convient pas. Très bien. Le studio photo appelle le loueur pour qu'il nous livre les éclairages et envoie-leur un technicien. Je veux être sûr qu'on se replante pas sur le format. Et tu préfères un cyclone vert ou blanc? Blanc, sauf si le mannequin doit poser sur la lune. Oh, et envoie un beau bouquet de fleurs à l'agent d'Ariana. C'est pas le boulot du recrutement? Ouais, mais ils sont débordés, alors je leur ai dit qu'on les aiderait. Et nous, on n'est pas débordés. Allez, sois gentil, Tan. Dis-moi, quand on est à court d'encre pour écrire les choses à faire, tu crois que c'est parce qu'il y en a trop? Non, seulement tu vas passer une journée particulièrement productive. T'es pas obligé de dire oui à tout, tu sais. Je dis pas oui à tout, c'est pas vrai. Salut, c'est Megan du magazine Aiden Lane. Il faudrait qu'on repousse le tir. Et toi, tu préfères lequel? Non, non, je veux que tu me donnes ton avis avant. Ne mets pas la pression, hein, c'est que le logo de la boîte. Je préfère cette version. Tu préfères ce logo? Non, mais ils sont tous chouettes. Je te fais marcher, c'est aussi celui que je préfère. Je sais pas pourquoi tu veux mon avis, de toute façon. J'ai pas créé l'une des plus grandes entreprises de snowboard au monde, moi. Que j'ai ensuite quitté pour monter la plus petite entreprise de snowboard au monde. Peut-être bien, mais cette entreprise-là a du charme. Ça sonne bien. Tu trouves aussi? Je la ressortirai lors de ma présentation avec Porter Mason. Oh, t'as obtenu un rendez-vous? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Il sera à Clara Lake pour les fêtes, alors il veut qu'on se voit quand on y sera. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Bien, on est censé être là-bas pour les vacances et en plus tu reprends les cours dans 2 semaines, c'est pas... Ben, c'est une super opportunité. Et quand tu décrocheras ce gros contrat avec Porter, ce sera une nouvelle occasion de faire la fête. Génial, je lui demanderai ce soir. Si quelqu'un a bien besoin de vacances, c'est elle. Très bien. Je vais le faire imprimer. Il est génial. Merci, on se voit ce soir. Ce soir. Tout juste sorti des presses, il y aura 2 propositions pour votre couverture. Vous me sauvez la vie. Je sais que c'est un nouvel an ce soir, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Oh non, non, pas du tout. Et le graphiste n'attend plus que votre accord pour tout lancer. Comment le magazine Mallory a pu vous laisser vous en aller? Vous avez encore besoin de nous? Je ne crois pas, non. Vous avez bien mérité de vous amuser ce soir. Merci. Merci. Syndra, c'est quoi toutes ces planches? Oh, seulement quelques maquettes pour notre rubrique voyage. On n'a pas de rubrique voyage. On en a une maintenant. De plus en plus de femmes veulent explorer le monde et je pense qu'on devrait les accompagner. J'espérais pouvoir la lancer en février, mais j'ai été débordée. Oh, vous savez, on serait ravis de vous aider. Je sais que ce n'est pas le travail d'une responsable éditoriale, mais... Non, ce n'est pas ça le problème. Ça vous obligerait à faire une maquette entière en 2 semaines, en plus de ce que vous faites déjà. Bien sûr, mais je sais qu'on peut y arriver, pas vrai? Quand est-ce que vous dormez? Oh, dormir, c'est surfait. Mais ça, on s'en charge. Allez, donne-moi ça. Et bon réveillon. Voilà. Tu vois, tu dis toujours oui. J'ai pas dit oui, j'ai dit bien sûr. 2 semaines pour réaliser tout le... Il me semble que t'as étudié la photo, toi, non? Oui. Super, et engagé. Loue tous les objectifs et l'équipement dont t'auras besoin. Je dois prendre des photos de quoi? Surprends-moi. Oh, et Amanda! Ah, je m'apprêtais à aller te voir. Salut, Megan. Bonne fête de fin d'année. Oui, bonne fête à toi aussi. Tu as fini de rédiger la critique du livre de Cara Reno? Oui, presque. Super. Quand ce sera fait, tu pourras me l'envoyer par mail. C'est une de mes amies et j'ai vraiment hâte de lire ce que t'en as pensé. Bien sûr. Merci. Oh, quand on parle de nous, salut. J'allais justement t'appeler. Megan, alors, c'est bon, t'arrives? Non, en fait, c'est pour ça que je vais t'appeler. Quoi, tu viens pas? Je sais que je t'avais promis de t'aider à choisir une robe, mais... Tu dois encore refiler une montagne de travail? Il faut vraiment que je lance tout avant ce soir. On se retrouve à la fête? Très bien. Conclusion, je vais donc devoir choisir ma tenue toute seule. Je penche pour une robe à imprimer léopard. Cara? Je crois que ça revient à la mode, non? Non, je ne crois pas. Oh. Oh, très bien, t'as gagné. Ne bouge pas, j'arrive et je te défends de sortir avec quoi que ce soit qui ressemble à une peau de bête. Ah,
marche. À tout de suite. Salut. Imprimer léopard, n'importe quoi. Ton appart ressemble à une cabine d'essayage le premier jour des soldes. Je vais être sûre de mon choix. Toutes ces robes te vont bien. Pourquoi t'es aussi stressée? Non, je suis pas stressée. C'est juste que c'est mon premier réveillon avec Ben. Ouais, mais t'as bien survécu à Noël, non? Oui, mais la soirée de Noël, c'est diff que tu portes une robe de grande marque ou que tu sois habillée comme un sac. Même s'il est imprimé léopard? Sauf s'il est imprimé léopard. Oh, qu'est-ce que c'est? La voilà. Ta robe de ce soir. Ouais, t'es trop forte. Je suis trop forte. Alors, t'as trouvé quelqu'un pour t'accompagner? Bah, j'ai pas vraiment eu le temps de chercher. Et Sean? Sean? Pourquoi tu penses à lui? Je trouvais que vous alliez bien ensemble. Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, on a tout essayé. E-mail, répondeur, texto. Il était cool. Dommage qu'on n'ait pas trouvé le temps de se voir. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Oh, la bonne. Mm-hmm. À ton tour. Très bien. Je crois qu'elle est pas mal. Salut. Tu es magnifique, ma chérie. Désolée, on est en retard, c'est ma faute. Salut. Cara voulait être sûre que toutes ses robes lui allaient encore. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait longtemps, on n'a pas trop eu l'occasion de se revoir depuis que je bosse à Eden Lane. Et ça se passe bien? Disons que je ne manque pas d'occupation. Tu vois, et ben moi je vais m'occuper en vous offrant un verre. Ouais. Voilà. C'était merci. Exactement comme ça que je voulais finir l'année. Et quelle sacrée année. Tu m'étonnes. L'année dernière, toi, t'avais juré de ne plus jamais sortir avec quelqu'un. Je travaillais comme assistante à Mallory et tu essayais de sauver ta place chez Sian. Vivant aux résolutions non suffisantes. Allez, santé. J'espère que vous trinquez pour moi. Sean, c'est super que t'aies pu venir. Salut. Cara. Hey, Megan. Sean. Ça fait... Oh, oui. Alors, toujours à conquérir le monde d'un magazine après l'autre. Oui, il faut bien que quelqu'un le fasse et je suis pas la plus mauvaise. Tu remets toujours les gens d'aplomb. Bah, nous autres chirurgiens, on est un peu comme des charpentiers, au moins méticuleux. Moins méticuleux? Je t'ai confié mon poignet. Et regarde le résultat. Tu ne sens plus rien. Un vrai petit miracle. Écoute, je suis désolée de ne pas avoir pris tes appels. Et moi, de ne pas avoir répondu à tes emails. Et je suis désolée pour cette fois où j'ai dû aller au dernier moment. C'était la folie au boulot. Et je suis désolée d'avoir annulé le dîner la fois d'après, tu sais. On peut dire qu'on est tous les deux désolés. Parce que c'est vrai. Alors, allons te chercher un verre de vin. Dis Cabernet. Oui. Non, je te jure, il devait y avoir au moins 10 ratons laveurs dans notre tente. Oh, pas bon. 10, tu les as comptés? Oh oui, il y avait la maman, le papa, la tante, l'oncle, même les jumeaux sont invités. Ah, il y avait toute la famille. Alors, cette semaine, après le nouvel an, tu as un peu de temps? En fait, je déménage. Oh! Oui. Waouh, c'est génial. Je suis contente pour toi. Un an qu'on s'est tous retrouvés coincés.
coincée dans ce chalet, ce serait un peu comme un anniversaire. Oh, crois-moi, je préférerais vraiment être avec vous, mais avec le boulot, il reste. Ouais, je sais. Et puis, ce sera sympa de vous retrouver un peu tout seul, Ben et toi. C'est sûr. Oui, mais il y va aussi pour bosser. Il va essayer de vendre son nouveau prototype. Avec qui je vais partager une fondue, du coup. Avec cet excellent fromage suisse au lait de vache. Oh, et tu te rappelles de ce merveilleux chocolat? Très bien, ça suffit, stop, arrête. Je vais en parler à Syndra, on peut peut-être trouver un arrangement, je vais voir. J'ai dit peut-être. Peut-être ça me... Trop facile. Non, je dis seulement que c'est bizarre. J'ai lu la nouvelle fin de son roman. Il réfléchit trop. Dans son ancienne version, les deux enquêteurs se mariaient et vivaient heureux jusqu'à la fin de leur jour. Dans la nouvelle, ils partent chacun de leur côté. Et alors? J'ai toujours eu l'impression que Kara s'était inspirée de nous pour les deux enquêteurs. Ça, tu peux pas en être sûr. Lieutenant Brad Langstone, Ben Livingstone, les mêmes initiales. Ouais, c'est loin d'être concluant, lieutenant. Ouais, t'as raison, je suis un peu parano, je sais. Le truc, c'est qu'avec ce qui se passe autour de mon projet, je sais plus où j'ai la tête. Tu vas quand même emmener la bague. Ouais, bien sûr. J'ai prévu de sortir le grand jeu, dès que j'en aurai fini avec ma présentation. T'as juste à poser un genou à terre et c'est le début du vrai bonheur qui marquera toute ta vie. C'est ça. Bon, je te laisse, il faut que j'y aille, d'accord? Je t'appelle plus tard que mes prototypes et on peut y aller. Super. Des nouvelles de Megan? Non, elle m'a pas appelé. Ah. Oh, quand on parle du loup. Megan. Salut, devine quoi? Je peux venir. Oh, c'est vrai? Comment t'as fait? On lance une nouvelle rubrique voyage et j'ai réussi à vendre Clara Lake à Syndra pour notre premier article. Donc, tu vas travailler? Ouais, et je pourrais rester quelques journées, mais c'est déjà mieux que rien, non? Je prends tout ce que tu peux me donner. Oh, je suis avec Ethan, on est en route. Super. Donc toi et moi, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera au sommet d'une pente enneigée pleine de poudreuses. J'ai trop hâte. Génial. En résumé, les nouvelles technologies rendent le sport plus accessible. Chez Charmed Snowboard, nous pensons que la montagne est assez grande pour tout le monde. Waouh, eh bien, Monsieur Livingstone, de toutes les présentations que j'ai entendues, jamais été aussi impressionné. Je suis sûr que c'est exactement ce que Porter va dire. J'en suis convaincue. On a dépensé beaucoup d'argent pour développer cette planche. Si Porter ne veut pas investir dans le prototype, on est foutu. En parlant de ça, t'as déjà pensé à un nom pour cette planche? Oui, bien sûr. À des centaines. Tu sais que t'en as besoin que d'un. C'est quand ta présentation? Cet après-midi. J'ai pas envie de gâcher ce séjour avec le boulot. Je veux en finir avec ça au plus vite et pouvoir me consacrer entièrement à nous. Compte que ça fait déjà un an. J'ai l'impression que c'était hier. Et en plus, t'as réservé le même chalet. Ouais, ça m'a semblé évident. Oh. Attends, laisse-moi faire. Bienvenue à la maison. Et pas de panier garni cette fois. On dirait que Charm de Snowboard n'a pas le prestige qu'avait Sian. Mais moi qui ne suis venue que pour le panier garni. Une motivation de plus pour faire de Charm une marque qui compte. Et en plus, vous avez réservé le même chalet, c'est quand même dingue. C'est exactement ce que j'ai dit. Salut. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Contente oui. De voir. Salut, t'es bien chargée, dis donc. Oui, salut. Ça va. Bon, mais je vais aller déposer tout ça et faire quelques essais. Ouais, parce qu'on a pas mal de boulot. Excusez-moi. Car il y a pas un truc que t'as oublié d'apporter? Oh oui, c'est vrai, j'ai besoin d'une bande pour me maintenir la cheville avant d'aller sur les pistes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, rien de très grave, mais je fais attention. J'imagine que je peux en trouver à l'infirmerie, mais Megan, toi, t'y as déjà été, non? Comment pourrais-je oublier le jour où Sean m'est rentré dedans sur la piste et m'a cassé le poignet? Alors, tu te rappelles où c'est? Parce que j'allais oh, y non, rendre... Non, non, reste ici, je m'en charge. Non, c'est pas à toi de le faire. Tu devrais reposer ta cheville. T'es sûre? C'est à ça que servent les amis. Je me dépêche. C'est gentil. T'es trop forte. J'ai réussi à la faire aller à la... Marie. Elle sait vraiment pas dire non. Et sans même s'être cassé le poignet cette fois. Tu vas enfin prendre ta revanche sur ce brasero? Cette fois, j'ai apporté une arme secrète avec moi. Ah oui, c'est quoi? Un briquet. Un briquet pour allumer du bois? Waouh, c'est révolutionnaire. Ah zut, j'ai dû le laisser dans mon autre blouson. Attends, j'y vais. On va pas se laisser empêter par un simple brasero. Bijoutier.
Bonjour. Il y a quelqu'un? J'aimerais juste acheter une bande de maintien pour une amie. Désolée, madame, j'étais... Sean? Qu'est-ce que tu fais là? Je bosse ici, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Attends, ton nouveau job, c'est ici, à la station? Au bon vin et à la meilleure des compagnies. T'es pas si mal non plus. Ah, mais tu sais quoi? Il manque quelque chose pour que ce soit parfait. Je pense que ceci est à toi. Mon ananas. Le fruit le mieux protégé de tous, mais sous la surface, le fruit le plus doux. Un marque vert. L'année dernière, tu trouvais mes marques verts ridicules et maintenant tu m'en offres un, c'est fou. C'est un objet que j'ai appris à apprécier. À tous les petits bonheurs de la vie. Et aux marques verts. Quelque chose me dit qu'on va se souvenir de ce week-end pendant longtemps. Salut. Je suis contente de te voir. Je ne savais pas du tout que c'était ici que tu travaillais, t'en as pas parlé au Nouvel An. Le compte à rebours nous a en quelque sorte interrompu. C'est vrai. Alors, ce nouveau boulot, ça se passe bien? Ce n'est que ma première semaine ici, mais je suis sûre que ça finira par être... Exactement ce que tu cherchais. C'est drôle de se retrouver tous les deux ici, non? Ouais, c'est génial. Ça a été la folie au boulot. J'ai l'impression de ne pas avoir eu un jour de congé depuis l'année dernière. Oh, ça, je veux bien le croire. C'est en partie pour cette raison que j'ai décidé de venir ici. J'ai troqué les énormes buildings contre des montagnes. La chirurgie contre des engelures. Ouais. Oh, excuse-moi. Le boulot n'arrête jamais. J'arrive à cette fois. Alors ne te recasse pas le poignet. Pourquoi? T'as l'intention de me rentrer dedans? J'ai aucune intention. Mes poignets sont soulagés. Promis. Alors, tu veux quoi? Juste une bande de contention pour Kara, elle a mal à la cheville et... Tu sais, je pensais pas que t'arriveras à te libérer pour accompagner Ben et Kara. Attends, ils savent que tu travailles ici? Ils sont bien gardés de me le dire. Très bien. Écoute, j'ai bientôt terminé, alors on pourrait aller, je sais pas, se boire un café ou... Ou tu peux me retrouver au chalet et dire bonjour à tout le monde. Ouais, ce serait super. Ouais, super. Et merci pour la bande. Au fait, j'ai lu La Nouvelle Fin. Ah oui, et t'en penses quoi? Disons que c'est beaucoup plus ouvert que l'autre. Mais il fallait que je le fasse pour une suite. Et tu penses pas qu'ils devraient finir ensemble à la fin? C'est ce que je m'étais dit en l'écrivant, mais en fait, il y a pas d'urgence. Ouais, tu dois avoir raison. Salut tout le monde, ça va? Sean. Sean, j'espérais bien que tu passerais. Ce bon vieux chalet. Pourquoi changer? Du cabernet? Avec plaisir. T'as oublié de me parler du nouveau travail de Sean? Ah oui, c'est vrai. Yeah. Merci beaucoup. Meg, je suis bientôt prêt à... Oh, salut. Oh, Sean, je te présente Ethan. Ethan, voici Sean. Sean est un des médecins de la station. Oh, enchanté de vous rencontrer. J'espère qu'on se verra pas trop. Comment ça? Ah non, je veux dire que j'espère éviter l'infirmerie. Oh, d'accord. Moi, j'espère aussi ne pas vous y voir. Il travaille avec moi au magazine Aiden Lane. Ethan, ta fiancée travaille aussi au magazine, non? Non, elle est institutrice. Ah, c'est vrai. Oui, Ethan a une fiancée et elle est institutrice. Bon, c'est fantastique qu'on soit tous de nouveau réunis sous le même toit, mais on doit y aller avant que la nuit commence à tomber. Oui, donne-moi 5 minutes que je rassemble le matos. D'accord. Sean devrait vous accompagner. Maintenant qu'il bosse ici, il doit connaître les plus beaux points de vue. Ça fait que 3 jours que je suis là. 3 jours de plus que Megan. D'accord, j'ai peut-être entendu parler de quelques endroits. C'est parfait. C'est parfait, oui. Du raisin? Volontiers. Je le préfère liquide. Je vais prendre un peu l'air. Je sais ce que tu mijotes. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Devine ce que j'ai trouvé dans la poche de Ben. J'ai peur de demander. Une facture. Génial, alors il fait les boutiques. D'une bijouterie, figure-toi. Non, tu crois que... D'accord, attends, t'emballe pas. Comment tu sais que c'est pas un autre bijou? Ça peut être un collier. C'est d'abord ce que je me suis dit. Et puis j'ai vu le prix. Trop élevé. Trop bas. Oh. Il a rien pu acheter à ce prix dans cette bijouterie. Oui, alors c'est sûrement pas une bague. C'est insuffisant pour une bague, mais juste assez pour en faire redimensionner une à ma taille. Et ça, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Il demande... Pas cette fois. Ce sera une vraie surprise pour elle. D'accord. Excuse-moi d'être un peu sceptique là, parce que j'ai
devrais même pas la surprendre avec un petit déjoli, alors une demande en mariage. J'ai payé les fleurs en liquide et la robe, mes chers concierges. Il y a une robe ? Mais bien sûr qu'il y en a une. J'ai eu l'organisatrice du mariage de Denise, du coup j'ai eu sa couturière qui m'a donné la taille de la robe de demoiselle d'honneur de Clara. Rassure-moi, tu lui as pas dit que t'avais trouvé la facture. Tu plaisantes, pas après mon anniversaire. Ah oui, t'aurais dû feindre la surprise. Quoi ? Il a appelé pour dire qu'il allait travailler tard et là j'entends une corne de brume. Son bureau n'est même pas près d'un point d'eau, tout le monde l'aurait vu venir. Très bien, je feindrai la surprise. Je vais essayer de la jouer cool cette fois. Et pour la bague ? C'est celle de ma mère. J'ai fait 60 bornes pour la mettre à sa taille. Rien ne pourrait être sûr qu'elle ne le découvre pas. Ah ouais, elle va le découvrir, je te le dis. Et moi, je te dis que cette fois, elle n'en a aucune idée. Oh. Hey, Megan ? Mm-hmm. Je suis prêt. Super. Eh ben alors, on va y aller, Sean. Yep. Amusez-vous bien. Je pensais pas que tu y arriverais. D'après mon expérience, plus c'est gros et lourd, plus ça marche. Ah zut, je dois filer à mon rendez-vous avec Porter. Génial, je croise les doigts. C'est gentil. Je vais aller faire un tour dehors, prendre un peu l'air. Très bien, j'aurai une surprise pour toi après mon rendez-vous. Cool. 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 Elle a dit cool ? Cool. Vous voulez pas que je vous aide ? Non, ça va, merci. Ouais, Dan a fait une école de photo. Oh, il m'a manqué. Oh, c'est tellement beau ici. Il y a de très beaux points de vue depuis la pointe ouest. Il suffit de prendre le télésiège. Voilà, haut, c'est pas très loin. Très bien. Il y aura de très belles photos à faire. Ça me semble parfait. Oh, j'ai oublié mon pose-mètre. Oh. Allez-y, je vous retrouverai là-haut. Oh. Oui, ça va aller, je me dépêche. Allez-y, attends. C'est bon. On y va ? Oui. Oui, c'est parti. Et quand est-ce que combien tu de temps eu... tu... Vas-y. Non, je t'écoute. Non, vas-y, toi. Les femmes d'abord. J'ai oublié ce que j'allais dire, du coup. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps.
Ouais, c'est dommage. Alors, t'en penses quoi? Ton prototype est incroyable. J'ai l'impression de flotter. C'est exactement ce que je voulais. Ça te dit un chocolat? Tu lis dans mes pensées. Tu sais quoi? Porter devrait l'essayer, la planche, parce que ça le ferait signer. Le truc dingue avec la plupart de ces investisseurs, c'est qu'ils font pas de snowboard. Ah oui, et ben ils savent pas ce qu'ils font. Un chocolat chaud? Deux, s'il vous plaît. Ça marche. Tenez. Ah, merci. Alors quoi? Comment s'est passée la présentation avec Porter? Il a remis le rendez-vous à demain. Quoi? Pourquoi? Oh, c'est pas grave. C'est un type débordé. Je le verrai demain, c'est tout. Tu m'as parlé tout à l'heure d'une surprise? Tu sais ce que c'est, j'en suis sûre. Inutile de faire semblant. Non, je t'assure, je sais pas du tout. J'avais vraiment peur que tu le découvres, mais je savais que je devais attendre d'être ici. C'est une démarche que je ne me serais jamais imaginé faire avant de te rencontrer. Mais tu m'as inspiré. Et pour ça, je t'en serai toujours reconnaissant. C'est un casque de snowboard. C'est pas un simple casque, vas-y, retourne-le. Il a un trou pour les chevals. Tu te souviens? Oui. C'était ton idée. Oui, c'est génial. Et c'est l'un de nos produits de lancement. Ah, c'est vrai? Sérieux? Mm-hmm. Waouh! Je croise les doigts. Ça fait des années que j'en rêve. Alors? Waouh, ça te passe super bien. C'est vrai? Génial. Merci. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je suis content. Je comprends pas ce que j'ai raté. J'étais sûre qu'il allait faire sa demande. Eh ben, tu peux pas toujours avoir raison. Et puis c'est top qu'il ait utilisé ton idée pour faire ce casque, tu trouves pas? T'as raison, c'était carrément trop mignon. J'ai vraiment dû avoir l'air d'une andouille. Non, je suis sûre que tu t'en es bien sortie. Et toi alors? Tu t'es bien amusée avec Sean? Oh, oui, beaucoup. Tu vois, j'avais oublié combien il était charmant et amusant et intéressant. Et beau gosse. Oh, arrête, mon papa. Ce sont plutôt de bonnes choses, non? Ouais, c'est vrai, mais son nouveau travail le retient ici et moi je suis à Seattle. Alors en m'en allant demain, le conte de fées s'achève et place à la réalité. En tout cas, ça me fait plaisir que tu viennes, même si tu n'as pu rester qu'une journée. Oh, je traverserai l'océan pour toi, tu le sais. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus enthousiaste. Ce casque, pourtant, c'était son idée. Tu sais, je pense qu'elle s'inquiète pour son roman. Ce roman est génial, elle n'a aucune raison de s'angoisser. Bah alors pourquoi ça te prend la tête? Quoi? La nouvelle fin. Oh. Non, ça me prend pas la tête. Oh, cool. J'avais peur que tu bosses le week-end à essayer de jouer les marieurs avec des personnages fictifs. Non, seulement avec toi et Megan. On dirait que tu t'es bien amusé. Elle est brillante et super drôle et vraiment cool et... Toute seule. J'allais te dire qu'elle vit à Seattle. Bien, on n'a qu'à prendre des photos de l'hôtel le reste de la matinée. On devrait pouvoir rentrer à Seattle d'ici ce soir. Croyez-moi, c'est beaucoup plus amusant de skier sur les pistes que dans les arbres. Ça vous fait pas mal? Non, ça va. Merci. Plus de snowboard pendant au moins 2 jours. D'accord. Veillez à ce qu'elle se repose. Je peux quand même skier, non? Quoi? Non. Pas de ski, pas de snowboard, pas de luge, pas de bonhomme de neige. Que de la glace sur cette épaule et vous serez sur pied dans quelques jours. D'accord, merci. Salut, toi. Salut. T'as besoin de bandes supplémentaires avant de partir? Non, écoute, j'en ai discuté avec Ethan et il nous est apparu que les voyages ne sollicitaient pas que la vue, alors pourquoi on ne parle pas des autres sens? Oui, c'est vrai, je suis sûr. Ils se sentent négligés. Ah ah, très drôle. Je m'explique. Bien sûr, voyager commence par les yeux, mais c'est aussi ce que l'on goûte et ce que l'on entend et ce que l'on ressent. C'est vrai. On s'est dit que si on voulait arriver à capturer tout ça, on devait rester encore un peu. Alors tu restes? C'est super. Ouais. Oui, parce que t'auras plus de temps pour capturer tout ça. Alors, ça marche toujours, ce déjeuner. Ouais. Vous avez l'air très attaché à cette planche. Oui, j'arrive pas à m'en dépêcher. Les
laissez-moi vous aider, attendez. C'est gentil. En fait, parfois la glace s'agglomère sur les fixations et vous frappez dessus. Et bingo, vous êtes libre. Ben merci beaucoup. Je pensais que je devrais me traîner comme ça jusqu'à chez moi. Je m'appelle Lisa. Cara, enchantée. Ma toute première fois en snowboard, comme vous le voyez. Il faut bien commencer quelque part. Si seulement, j'ai même pas réussi à prendre la piste verte, je veux dire. Je pourrais vous donner quelques conseils si vous voulez. Vous savez, je tenais vraiment à faire ça toute seule. Mais franchement, qui ça va impressionner? Alors oui, toute aide est la bienvenue. Bon, ben alors c'est parti. Parfait. On va commencer par les chaussures. D'accord. Comment vous êtes? Comme la demi-sœur de Cendrillon coinçant son pied dans la pantoufle de verre. Super, ça veut dire que c'est parfait. Ok. Les autres étaient bien trop grandes. Je vous les laisse au pied. Merci. Alors, Cara, vous faites quoi à part donner des cours de snowboard à des inconnus? Eh bien, je suis écrivain. En quelque sorte, mon premier livre n'est pas encore sorti. Vous écrivez, vous êtes écrivain. Je crois que c'est pas aussi simple, en fait. Ah, pardon, mais si je descends cette piste verte, je mettrai snowboardeuse sur ma carte de visite. D'accord, vous avez gagné. Désolée si je suis trop curieuse. Mais pourquoi maintenant? Le snowboard? La remise des diplômes du lycée. Pas la mienne. Ma dernière fille. J'ai l'impression que c'était hier que je lui apprenais à faire ses lacets. Si le temps passe aussi vite, il est inutile de le gaspiller dans ma zone de confort. Le snowboard n'est pas forcément inaccessible. Peut-être pour vous. Si je peux descendre une colline sur une planche de bois, j'ai l'impression que je pourrais tout faire. Ouais, je vous comprends, c'est vrai. Le matin à tour pour trouver l'inspiration. J'imagine que c'est votre petite amie. Aux dernières nouvelles, Belle Livingstone. Enchantée. Je te présente Lisa, elle est venue ici s'essayer au snowboard. Oh. Oui, attention, planquez-vous. Cara a été assez généreuse pour m'offrir quelques conseils. Vous êtes entre de très bonnes mains dans ce cas. Elle est presque aussi douée que moi. Ah, tu crois? Beaucoup plus. Vous êtes vraiment très mignons tous les deux, c'est très romantique. Oui, en fait, il se trouve que c'est ici qu'on s'est rencontrés. Il y a un an, oui. Moi, ça fait des années que mon mari vient ici pour le travail, mais j'étais trop occupée par le mien pour venir. Et vous faites quoi? J'organise des événements. Anniversaire, bar mitzvah, mariage, bien sûr. Syndra, ça va? Megan, l'infatigable bosseuse, comment ça se passe là-haut? Bien, et même très bien en fait. Tellement bien qu'on a besoin de quelques jours en plus dans le coin. Non? Enfin, sauf si vous avez besoin de moi, dans ce cas je serais plus que ravie de rentrer au bureau. Non, en réalité je trouve ça génial. Vraiment? Vous êtes sûre? C'est génial, oui. Vous savez, je me disais que pour faire un bel article, on aurait besoin d'un peu plus de temps sur place. Parce que je me disais... Oui? Qu'on aura une version imprimée. Oui, mais qu'on devrait peut-être aussi avoir quelques éléments vidéo pour le site. Oui, vous avez raison. Si vous n'avez pas le temps... Non, 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 ça va aller, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ravie de vous aider. Super, on se voit quand vous rentrez. Au revoir. Alors? Elle a dit quoi? Elle a dit qu'on pouvait rester tout le week-end. Ouais. Et qu'on doit tourner des images pour le site internet. Donc, en plus de faire un reportage photo complet, on doit maintenant faire un film. Exactement. J'espérais que t'avais oublié que je l'avais. Ce sera un collector quand il sera en rupture de stock dans toutes les librairies. J'ai trouvé une coquille dans le manuscrit. Je veux vérifier qu'ils l'ont corrigé avant l'impression. Je sais pas pourquoi je suis si stressée alors que le roman n'est même pas encore sorti. C'est compréhensible. Ça peut changer ta vie. Le magazine de Megan va rédiger la première critique. Et s'il le déteste... Oui, je connais ça, j'ai eu mon lot de mauvaise presse. Il faut pas que ça t'atteigne. Donc tu crois que la critique va être négative? Quoi, non? Et alors tu veux dire quoi par mauvaise presse? Attends, j'ai loupé un truc là? Non, désolée, pardon, je t'ai dit, je suis un peu stressée. Cara, tu t'inquiètes pour rien, crois-moi. Bientôt le reste du monde saura ce que je sais déjà, que tu es un fantastique écrivain. En parlant de fantastique, j'adore ta nouvelle veste. Ah, je voudrais pas que Porter s'imagine qu'il ne mérite pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, ça marche sur moi. Je sais pas comment tu fais. Repartir de zéro avec une nouvelle marque, comment tu peux être aussi sûre de toi? J'ai des doutes, comme tout le monde. Non, je te crois pas. Tu penses pas que je me demande si les choses auraient été différentes si j'étais restée chez Sian? C'est ce que tu dis? Ce qui est fait, mais... Quitter Sian a été une décision plutôt irréfléchie. On dirait pourtant que ça t'a réussi. Tu devrais peut-être prendre plus de décisions irréfléchies. Ça reste à voir, l'avenir nous le dira. Vache. Ce truc est trop bon. La recette secrète de la garniture de Ben. Élaborée durant de nombreux hivers qu'il m'a transmise. Et que je te transmets. Eh bien, merci beaucoup, je suis sincèrement touchée. Dis-moi, quand tu te prends comme ça, des pauses déjeuner dehors, qui s'occupe de l'infirmerie? Bon, j'ai un beeper. Mais il ne bipe jamais. Il doit y avoir moins d'urgence ici, j'imagine. Je croyais qu'il était cassé au début. Un beeper? Ouais. Sérieusement? Ouais. Oh!
21e siècle. Franchement, un beeper. Ça te fait marrer. Tu sais, je me disais que on s'était bien amusé à ce nouvel an. Ah, ça a été l'apogée de mon année. Et si on retournait sur les traces de notre passé? On ferait un quiz. Du camping d'intérieur. Non, je suis sérieux. Une sorte de pèlerinage. Ouais. C'est une chouette idée. Oh. Allô, Nikki? Ça va, ma grande? Ouais, j'ai vraiment hâte de te voir aussi. Oh, crois-moi, chérie, tu vas t'éclater. Je vais tout faire pour. Fais-moi confiance. Yep. À très vite. C'était ma nièce, Nikki. Oh, ta nièce. Je suis désolé, j'ai failli oublier que ma sœur et son mari venaient me voir ce week-end. Et demain, c'est mon jour de congé, alors j'ai promis de rester avec Nikki. Oh, ta pauvre nièce, Nikki, obligée de passer toute la journée avec son oncle. Ouais, je l'envie pas. Pour ton information, je suis le plus cool des oncles. J'aimerais pas rencontrer les autres. Je te charrie, fais ce que t'as à faire. De toute façon, j'ai une journée super chargée demain, alors... Non, c'est pas... Tu peux te joindre à nous, si tu veux. Je suis sûr que Nikki serait ravie de te connaître. Tu crois? Bien sûr. Non, parce que je voudrais pas empiéter sur ta vie de famille. Oh non, t'en fais pas. Dans ce cas... D'accord. Ben, je suis désolé que ça ait été si compliqué de caler ce rendez-vous avec vous. Vous avez un business à gérer, je sais ce que c'est. Quand vous étiez chez Sian, notre partenariat était mutuellement bénéfique. J'aimerais beaucoup que cela continue. Eh bien, dans ce cas, nous sommes deux. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai hâte de vous montrer. Oh. Excusez-moi, je suis désolé. Allô? Non, pas du tout. J'ai dit 10 000 unités, pas 100 000. Très bien, j'arrive tout de suite, ne signez rien. Alors, gagnez du temps. Je me dépêche, mais surtout, ne signez rien. À peine, je suis vraiment confus, mais est-ce qu'on peut remettre ça un autre jour? En fait, j'ai quelque chose de prévu ce week-end. Et je m'en veux terriblement. La prochaine fois, vous aurez toute mon attention, promis. Très bien, oui, bien sûr. Alors, demain? Ah, demain, c'est pas possible. On essaye dimanche? On essaye dimanche. Merci, Ben. Vous avez été patron, vous aussi. Je savais que vous comprendriez. C'est ça, oui, vous l'avez. Comme ça? Vous voyez, je vous l'avais dit. Et Dan, comment on est? Oh, même l'appareil égal. Ah oh, oui, je crois bien qu'on peut cocher le goût à notre liste des 500. Je crois aussi. Mm-hmm. Bien, je vais vider l'appareil et je vous retrouve plus tard. Mesdames, bon appétit. Merci, Dan. Salut. Et merci à vous d'avoir joué le jeu avec nous. Cela justifie toutes les fois où j'ai dû emprunter la route pour venir ici. Megan va devoir faire cette route beaucoup plus souvent à l'avenir. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, l'écoutez pas. Vous avez le béguin pour quelqu'un qui travaille ici? D'accord, très bien, je suis simplement réaliste. C'est vrai qu'on s'amuse bien quand je suis ici, mais une fois revenu à la réalité, ce sera que ça, la réalité. Alors si passer du temps avec quelqu'un semble être un rêve, c'est que cette personne vaut la peine d'en faire votre réalité. Ouais, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Vous êtes sûre que c'est pas vous qui compliquez tout? Oh. Hé, on se connaît à peine. Prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Je prends rien, d'accord? C'est seulement une remarque d'une femme d'expérience. Mmh. Moi, je pense que vous n'avez pas tort. Oh, ne croyez pas vous en tirer de ça. Quoi, moi? Oui, vous. C'est quoi le problème avec votre petite amie, hein? Mais il n'y a pas de problème, j'ai juste mal interprété la situation. Je croyais qu'il allait me demander en mariage et en fait, non. Si j'ai bien compris, vous êtes plutôt douée pour interpréter les signes. Oui, c'est comme un super pouvoir. Je refuse de regarder un film avec elle parce qu'elle gâche toujours la fin. D'accord, il a peut-être un moment d'hésitation. Il se lance dans un nouveau projet et ça le stresse. Quoi? Votre récepteur fonctionne très bien. Je crois que vous devriez vérifier votre transmetteur. Je vous suis pas. Vous savez peut-être interpréter les signes des autres, mais parfois, il se peut qu'on émette nous-mêmes des signaux sans même s'en rendre compte. Vous êtes doué. Très bien, ça devrait le faire. De quoi j'ai l'air? Zira Marfil, le martien. Je vois, bon, peu importe de quoi j'ai l'air, tant que les images sont réussies. Oui, c'est vrai. J'ai réservé une motoneige pour demain. Les images tournées là-haut vont être superbes. Oh oui, ça va éveiller les sens. La station de ski Clara l'a écran, plissez-vous les poumons, inspirez la pinaise. Écoutez cet engin. Je sais. Mm-hmm. J'ai encore un peu de boulot, tu devrais aller dormir. Tu sais, je peux y aller tout seul demain si tu veux. Quoi? Mais non, y a pas de raison. Eh bien, t'as pas dit que la nièce de Sean allait venir?
Je suis sûre qu'il aura besoin d'aide. Ouais, mais je ferai les deux, c'est bon. Oh, Meg. Après tout ce que tu fais, t'as le droit de passer un peu de bon temps. Alors amuse-toi bien. Ouais, je vois. Tu dis ça seulement pour pouvoir rouler à fond sur cette motoneige. Bonne soirée. C'est ça. Salut, Amanda. Bonsoir, Megan. Désolée de t'appeler si tard. Pas de problème, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, je viens de finir de rédiger la critique du roman de Carrara. Oui, et alors ? Et alors, disons que c'est pas 100% positif. Oh. Je sais que c'est une de tes amies, alors. Non, t'inquiète, je sais que tu fais que ton boulot. Je t'envoie une copie avant de l'envoyer à Sindra. S'il te plaît, prends le temps de la lire. Je le ferai. Merci, Amanda. Alors, ça s'est passé ? Il a encore annulé, en raison d'une urgence de décimales perdues, si j'ai bien compris. Aïe, j'espère qu'il va la retrouver. On sait jamais ce que demain nous réserve. T'as raison. Et je vais te dire, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que tu vaux la peine de te faire désirer. Et quel âge elle a ? 15 ans. Qu'est-ce que c'est mon nom ? Qui est jolie ! Bienvenue au sommet de la montagne. Salut ! Je te présente Megan, une amie. Tu sais, du nouvel an un peu folle. Ah, c'est vous qui travaillez au magazine Hidden Lane ? Ouais, c'est bien moi. C'est trop cool. Alors vous devez rencontrer plein de stars pour votre travail ? Ça peut m'arriver. Vous pouvez m'en parler. J'adorerais avoir un travail comme ça un jour, dans la mode, peut-être être vétérinaire, parce que j'aime les animaux. Tu pourrais faire les deux, et créer un magazine animalier. Pourquoi ça te fait rire, oncle Sean ? Oui, Sean, pourquoi ça te fait rire ? Ça se vendrait des petits pains. Absolument. La plus grande star que vous ayez vue, c'est qui ? Et vous lui avez parlé ? Ah, elle passait au magazine pour faire des photos. Oh, elle est comment ? Disons simplement que sa voix est encore plus géniale en vrai. Elle a chanté ? Elle a chanté. Oh. Votre travail a l'air vraiment génial. C'est vrai, il peut l'être parfois, oui. Ses fixations sont trop grandes, mais j'en ai de plus petites derrière qu'on peut essayer. Mm-hmm. Ne bougez pas d'ici, j'ai encore plein de questions. Je bouge pas. Je crois pas qu'elle t'apprécie. Mais elle a raison, tu sais. À propos de quoi ? Elle est vraiment trop cool. Ah oui ? C'est le gars qui soigne tous les bobos de la Terre qui me dit ça. Oui, mais aucun de mes patients n'a jamais chanté pendant que j'opérais. Ah, j'espère bien que non. Tu sais, c'est sympa quand on nous rappelle qu'on fait un métier formidable. J'ai tendance à l'oublier parfois. À cause du stress. Hop, mais bon. Attention, j'adore mon boulot, seulement... J'ai accepté trop de choses ces derniers temps. J'ai cette critique de livre... Angoisse pour la critique de... Celui de Kara. C'est moi qui lui ai proposé que le magazine rédige une critique. J'ai jamais pensé qu'elle pourrait être négative. T'en as parlé avec Kara ? Eh ben, je l'ai pas encore lu, pour tout te dire. Et puis c'est censé être un week-end sympa. Je veux pas tout gâcher avec une mauvaise nouvelle. T'imagines, voir un jour ton roman sur ces étagères, au milieu de tous ces grands classiques. Ouais, ça je sais pas, on verra. Oh, mais j'en suis sûr, c'est tout vu. Tout va bien. Tu te rappelles que le magazine de Megan doit lire mon roman ? Oui. Apparemment, la critique n'est pas vraiment époustouflante. Tu l'as lu, cette critique ? Pas encore. J'ai entendu Megan en parler à Sean au magasin. Kara, tu sais que j'adore les romans policiers. C'est Agatha Christie qui nous a rapprochés. Ton roman est excellent. Fais-moi confiance sur ce coup. Et si ce rêve, finalement, d'être un jour écrivain, ce n'était que ça ? Qu'un rêve, justement ? Et si c'était le moment que je me réveille et que je réalise à quel point tout ça était stupide ? Gatsby le Magnifique. Le Chicago Tribune a écrit que c'était un roman insignifiant. Si insignifiant qu'il est maintenant considéré comme l'un des plus grands romans de tous les temps. Sur la route, de Jack Kerouac, Truman Capote l'a massacré en disant que c'était de la dactylo et pas de lecture. Ça n'a pas empêché d'inspirer des milliers de bandes d'ados débiles de traverser tout le pays, y compris ton serviteur. Moby Dick, le meilleur des mondes, les trois mousquetaires, il n'y a pas un livre qui n'ait pas eu une mauvaise critique. Si c'est dans ton cœur, personne ne peut y toucher. Tu entends ? C'est gentil. Bon alors, si tu nous perds pour une raison ou une autre, on se retrouve au bureau d'information. Ça marche, on se voit là-haut ! Où on t'attendra ? C'est bien d'essayer. Mais
sœur va me tuer. Non, ça va aller. Il faut que tu te détendes. C'est pas pour ça que t'es venue ici, pour te détendre. Tu veux dire pourquoi j'ai échangé la chirurgie contre des petits bobos? Oh. J'ai eu ce qu'on pourrait appeler un petit coup de blues. Et je me suis souvenu de la dernière fois où j'ai vraiment été bien. Et il se trouve que c'était ici. Tu sais, on n'est pas tous comme toi. À s'occuper de tout et en demander encore plus. Non, tu sais, c'est que je suis tellement plus rapide que toi que je peux en faire beaucoup plus. Oh, tellement plus rapide. Tellement plus rapide. Ah. Si tu me perds, tu me prendras au bureau d'information. D'accord, on se retrouve là-bas. À tout. Dans le corps humain, qu'est-ce que la luxe? La luxe? A, le cou. B, la hanche. C, le gros orteil. D, le coude. Tu dois forcément le savoir, tes médecins. On est à un point du premier. Eh ben, je dirais la réponse D, mais c'est mon avis. C'est la réponse D? La C. Le gros orteil. Le gros orteil? T'es sûr? Gros comme on a luxe. Tu veux jouer un peu? Le fameux jeu d'enquêtrice de Cara Reno. D'accord, vas-y. C'est quoi son histoire? Elle est ici avec son petit ami, qui est manifestement absent en ce moment. Mm-hmm. Et où est-il? Devant la télé. À regarder un match avec ses potes, alors elle vient ici pour passer le temps. Oh, il est au lit en train de se remettre d'une mauvaise chute au bas des pistes. Dans ce cas, elle s'occuperait de lui, tu crois pas? Elle s'en est occupée. Elle lui a préparé son lit et servi de la soupe ces deux derniers jours. Elle avait besoin d'une pause. Il fallait qu'elle sorte de la chambre. Alors elle lui a dit qu'elle devait passer à l'infirmerie. Chercher une bande pour sa cheville. Je t'ai cherché dans toutes les allées. Oh, regardez donc ça, madame l'enquêtrice. Il s'est remarquablement rétabli. Ne tirez pas sur le réseau, mon cœur. Et maintenant, ils vont rentrer chez eux et lire la folle histoire de Jay Gatsby. Comme c'est romantique. On dit qu'il a eu une mauvaise critique. Le premier signal de Mendes dans le top 10. Donc c'est là, maintenant, que tout joue. Je sais, c'est la D. Alors, si t'es sûr, je te suis. Et si tu l'es pas, tu le dis maintenant. Oui, j'en suis sûre et certaine. C'est la D, Stitches. T'es vraiment sûre? Oui, fais-moi confiance. Vas-y, appuie sur D. Non, mais t'es vraiment sûre de chez sûre? Allez, appuie sur D. D'accord, j'appuie. Ah oui. Le mot d'élastie est trop souvent galvaudé. Ça, c'est sûr. Mais à ce niveau de performance, c'est le seul adapté au double champion en titre. Oui, et nous n'aurions pas réussi cet exploit sans Nikki. Nikki Jolie et son inestimable culture musicale. Heureusement que j'étais là. Tu connais même pas Shawn Mendes? Oui, je croyais que t'étais l'oncle cool. Je sais très bien qui est Shawn Mendes, mais sur le titre, j'avais un doute. Il y avait un petit truc dont j'étais pas sûr. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de te rencontrer, Nikki. Moi aussi, c'était vraiment super. Et toi aussi, t'as été super, oncle Shawn. T'avais raison à propos d'elle. Tes parents attendent dehors. Tu ferais mieux d'y aller avant que ta mère pense que je t'ai égarée. J'y vais. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Comment ça? Je comprends pas. Quand elle a dit « tu avais raison à propos d'elle ». Oh, je lui ai dit que t'étais une excellente partenaire de Super Quiz. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Que tu tournerais que des images. Ces photos sont incroyables. Tu sais, avec un bon appareil. Non, t'as vraiment un truc, y a pas que l'appareil. Merci. C'est quoi ça? Oui, j'ai pris quelques clichés quand on était là-haut. J'avais même pas remarqué. Disons que tu avais la tête ailleurs. J'avais mal. Qu'il y a une sensation à travers une photo. Et si on n'avait pas besoin d'être aussi concret? Pourquoi on ne parlerait pas de la manière dont le fait de voyager, de sortir de notre confort, peut toucher aussi nos cœurs? C'est une excellente approche. Enfin bref, ces photos volées de Sean et toi, je trouvais que ça illustrait bien ce sentiment. Je t'envoie les filles, d'accord? Comme ça, tu choisiras tes préférées. T'as fait du bon boulot. Merci. Oh, Ethan! Ouais. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Tu peux rentrer demain, je partirai avec Cara et Ben. Si tu veux. Merci. Bonne soirée, Ethan. Salut. Salut. C'était pas avec la nièce de Shane?
C'était comme essayer de suivre un papillon. Mais oui, c'est une chouette gamine. T'as une formule magique pour arrêter le temps. Je peux me renseigner. Tu crois que c'est tout ce qu'on aura, Sean et moi? Un super week-end une fois par an si je peux bosser en même temps. Tu sais qu'on a inventé un truc qu'on appelle un téléphone. Tu peux parler à quelqu'un même si tu ne vis pas au même endroit. Ah ah, j'ai vu ce film moi aussi. Je sais comment ça se termine. Mais des super week-ends, c'est mieux que pas de week-end du tout. Non. Si quelqu'un mérite d'être heureux, c'est bien toi. Et toi, comment ça va? Tu es heureuse? Moi? Oui, évidemment. Cara Reno, je connais ce regard et c'est pas ça qu'il dit. Je t'ai entendu parler avec Sean au magasin, à propos de la critique. Oh, car je suis vraiment... Non, t'en fais pas. Tu voulais pas gâcher mes vacances. T'as fait ce que les meilleurs amis font. Je vais appeler Sindra. Je lui ai demandé de pas l'imprimer. Tu sais que je n'exploiterai jamais notre amitié de cette façon. Et puis, toute presse, c'est bon à prendre. Salut. J'espère que t'as un peu dormi. Ouais, j'ai fait quelques pauses. Porter t'a déjà appelé? Non, pas encore. Ah, ça fait sérieux. Ouais, hein. Merci pour tout ce que t'as dit à la librairie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pensais chaque mot que je t'ai dit. Je peux prendre ta planche? Oui, bien sûr, vas-y. Super. Bonjour, coach. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez là? Vous m'avez dit que votre planche était lourde l'autre jour. Alors, je crois que j'ai trouvé votre remède miracle. Oh, d'accord. Je suis tout à vous, dès que j'aurai réussi à mettre ce casque, je vais être sûre que celui-ci m'aille bien. C'est pénible avec une queue de cheval, non? Ah, attendez, tenez. Essayez le mien. Mon petit ami en a fabriqué un avec un trou pour la queue de cheval. Génial. Merci. Je t'en prie. C'est top. Oh, c'est super. Ouais, hein. C'est fou, pourquoi personne n'a pensé avant? Très bien, je suis prête. Il faut vérifier que c'est bien serré. Très bien, allons-y. C'est bon? Je crois. Doucement. Wow. Ça va? Cette planche est très différente. Elle est plus légère et facile à équilibrer. Tant mieux. Et c'est Ben qui l'a fabriquée? Ouais, c'est un prototype qu'il a développé. Faut pas le laisser s'échapper. Bien, alors on va se laisser glisser sans forcer, d'accord? Glisser sans forcer. Absolument. C'est parti. Bien. On passe à la descente. D'accord. Ça, oui. Oui. Très bien, continuez. Laissez-vous glisser. Ok. Hé, Lisa. Quoi? Non, Cara. Non, non, Cara. Cara. Oh, c'est pas vrai, s'il te plaît. Oui. Bien. Bravo, c'est ça. Vous l'avez fait. Vous avez réussi. C'est génial. Je crois qu'on peut dire que je ride. Vous savez, c'est mon mari qui m'a offert mon snowboard. C'est sa société qui l'est fabrique. Sauf que votre planche, c'est quelque chose. Si une fille comme moi peut rider... Vous savez ce qu'on dit. Il faut bien commencer... quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Quoi? Oui, tous les snowboarders du monde entier, que ce soit des mères qui travaillent ou des médaillés d'or, il faut bien commencer quelque part. Et alors? Et alors, tu cherchais une accroche pour justifier un prix décent? Mais Porter n'investira pas si je ne le convainc pas que c'est rentable. Oui, mais c'est ça le truc. Qu'est-ce que tous les snowboarders ont en commun? Ils ont tous été débutants. T'as peut-être trouvé quelque chose. Il y a encore quelques petits détails à régler. Je veux garder le facteur cool, mais il faut bien commencer quelque part. T'as plus qu'à trouver un nom à ta planche. Hey, justement, qu'est-ce que tu dis de tonnerre? Ah, ça sonne un peu comme un cheval de course, je sais pas... Ta planche est élégante et légère, alors la fleur. La fleur est un peu délicate. Ouais. Cette planche est solide et elle est fiable. Je vais trouver, t'inquiète pas. Merci d'y avoir pensé. Je t'ai proposé de retourner sur les traces de notre passé et... le camping d'intérieur est un épisode important. C'était le dernier de ces week-ends. Tu sais ce qu'on dit? Non, quoi? Eh bien, que toutes les bonnes choses ont une fin. J'aimerais que ce soit faux. Déjà réfléchi. À quoi? Pourquoi ça?
Ouais, nous deux, ça ne marche pas, Seattle. Tu bossais beaucoup. Je bossais aussi. Bosser est notre mode de vie. Et j'imagine que ça ne va pas changer. Je veux dire, j'ai travaillé tellement dur pour arriver là où je suis que j'ai peur de tout perdre si j'arrêtais de le faire. C'était aussi plus facile. Quoi ? Comment ça ? On passait ensemble un moment si spécial quand on était ici que... Enfin, peut-être qu'on s'est dit qu'à Seattle... La magie s'envolerait. Et peut-être... que bosser comme on l'a fait était juste une excuse, tu sais, pour éviter tout ça. Ou peut-être qu'on avait simplement trop de boulot. Ouais, peut-être. C'est pas encore cuit. J'aime les miens pas trop cuits. Oh, moi j'aime les miens très très cuits. On respire quand même un peu mieux ici. Ah oui, c'est vrai, c'est le paradis. Tu te souviens de mon association? Bien sûr. Oui, elle aide les enfants défavorisés à faire du snowboard. Ouais, c'est ça. Les sourires sur les visages de ces enfants. Alors qu'ils pensaient tous être incapables de faire ça. T'as toujours été très généreux. Oui, mais tous ces gosses rentrent chez eux avec des rêves dans la tête. Jusqu'à ce qu'ils découvrent le prix que ça coûte. Je t'interdis de penser que tu n'en fais pas assez. Mais avec mon nouveau polymère, ces mêmes enfants, ils pourraient s'y payer leurs planches. C'est pour ça que c'est important pour moi. La montagne est assez grande pour tout le monde. C'est bien plus qu'un slogan pour moi. C'est Charme, c'est plus qu'une simple entreprise. Comme ton roman n'est pas qu'un simple roman. Oui. Chaque détail de ce projet, comme toi tu vis, chaque mot que tu écris, je me trompe. Alors pourquoi tu as changé la fin? Parce que mon éditeur me l'a demandé. Ton éditeur t'a demandé d'enlever la demande en mariage? Enfin, pas directement, il m'a demandé une fin un peu plus ouverte, alors voilà, c'était mon idée. Quoi, il y a un truc qui t'embête? Non, pardon, c'est rien, oublie ce que j'ai dit. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans la fin? C'est moi ou tes deux enquêteurs sont une copie de nous? Attends, c'est pour ça que tu n'as pas... Non, Ben, c'est... C'est pas nous, ce sont que des personnages. T'en es sûr? Oui, enfin bien sûr, chaque écrivain puise un peu dans sa vie forcément, mais... Je me souviens pas qu'on ait déjoué un vol de bijoux. Donc, changer la... J'ai l'impression que c'est plus que ça. Quoi? Donc tu crois que j'ai mis fin à leur histoire parce qu'en réalité, je ne t'aime pas? Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire, Ben? Ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être possible que... qu'il y ait un truc dans cette fin. Un point que tu essayes de résoudre à travers elle. Tout le monde peut se dégonfler à un moment donné, mais je crois pas que tu puisses l'imputer à mon livre. Comment ça, se dégonfler? Tu sais, comme si tu avais prévu de me demander quelque chose d'important et que tu décidais de pas le faire. Attends, t'es au courant pour la demande? Comment t'as su? J'ai trouvé la facture dans ta veste. Celle de la bijouterie. Waouh, on peut vraiment pas te faire de surprise. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé. D'accord, c'est donc pas une surprise. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Ouais, c'est grave, bien sûr que c'est grave. Ken comptait beaucoup pour moi. J'arrive pas à croire que je me suis disputé avec Kara à cause des personnages de fiction. Moi, je me battais avec ma sœur pour savoir qui serait le T-Rex quand on jouait aux dinosaures. C'est moi ou je perds complètement la tête? Mais non. Faudrait déjà que t'aies toute ta tête au départ. Tu sais que t'as toujours été mon idole. Je t'en prie, arrête. Non, je te jure, t'es comme un héros de film d'action. Plongeant toujours dans l'inconnu. Mais ce Ben-là, celui qui réfléchit trop, c'est pas toi. Parce que le Ben que je connais, si un gars reporté par deux fois leur rendez-vous, il ferait affaire avec un autre. Et dire que t'as toujours été mon héros. Oh, arrête, je sais que tu dis ça parce que c'est ce que j'ai dit. T'as une pression dingue, tes patients te confient leur vie et... Et tu te plains jamais. T'as toujours le sourire. T'as déjà vu un canard dans une mare? Ouais. Au-dessus de l'eau. Il est calme. Mais sous l'eau, en revanche, ses petites pattes s'affolent et s'agitent frénétiquement. D'accord. Ok, ce que j'essaie de dire, c'est que ce côté impassible que tu crois que j'ai, je l'ai pas. Je fais seulement ce qui doit être fait de toute façon. Si l'enquêtrice vole les joyaux de la couronne, il va me regarder de travers si j'achète un billet pour l'Angleterre? Bah, il pense que les personnages sont basés sur vous deux et...
part, alors bien sûr qu'il va se demander ce que ça veut dire. Sauf que les personnages n'ont rien à voir avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Lieutenant Brad Langston. Oui? Brad Langston, Ben Livingston. Waouh, les mêmes initiales. Oh, c'est pour ça qu'on me confond toujours avec Chris Rock, le comédien. Oh, c'est pas seulement les initiales, Cara, c'est... D'accord, Brad Langston est gentil, beau, attentionné et généreux, mais Brad aime les burritos, Ben les clubs sandwich. C'est bien Ben. Comment j'ai pu pas le voir? T'es vraiment la seule en plus. Ah, mais... Le cerveau peut nous jouer des tours. Tu sais, parfois, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on détruit quelque chose pour éviter le risque d'être blessé. Oh, comment j'ai pu être aussi stupide? Oh, non, 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 tu n'es pas stupide, tu es la femme la plus intelligente et la plus talentueuse qu'on connaisse. Assez talentueuse pour écrire un livre que la critique déteste. C'était une seule personne et elle l'a pas détesté. Attends, tu l'as lu? Oui, ce matin. Et tu devrais la lire aussi. Oh, je suis pas sûre d'être prête pour ça maintenant. Non, non. Lila. Je vais aller skier un petit peu. Une toute dernière fois avant de retourner à la réalité. L'un des débuts les plus prometteurs depuis un certain temps dans le monde du polar. Un constat qui rend sa fin quelque peu plus droite, d'autant plus déconcertante. Très bien écrit, truffé de volte-face et de révélations, c'est son cœur qui le rend particulièrement séduisant. C'est une histoire qui raconte comment, pour résoudre un mystère, il faut parfois commencer à regarder à l'intérieur de soi. Zigzaguant habilement entre intrigue et romance, l'histoire nous met au défi de briser la coquille de ses personnages. L'armure que nous portons tous au quotidien pour découvrir la vérité à l'intérieur. Le cœur est le prix sous le verre et finalement la clé du mystère. Cara Reno ne laisse pas un seul mot s'échapper jusqu'au dernier chapitre où les deux enquêteurs se séparent inexplicablement. Un roman qui défend de façon convaincante le pouvoir du cœur à surmonter nos peurs mais qui néglige sa propre leçon dans ses dernières pages. Allô, Porter? Retrouvez-moi à la librairie dans 30 minutes. Je vous y attendrai. Et si mon prototype vous intéresse, vous y serez aussi. Ou alors, j'irai voir quelqu'un d'autre. Très bien. Va pour 35. Salut. Salut. Jeanne m'a dit que je te trouverai ici. Je sais que t'as pas beaucoup de temps, mais j'aimerais te dire quelque chose. Oui, moi aussi. Je suis vraiment désolé. J'aurais jamais dû m'en aller comme ça. Quand quelque chose te tient vraiment à cœur, c'est... comme un papillon qui repose sur ton épaule. Tu as peur de bouger parce que tu sais qu'il y a des chances qu'il s'envole ailleurs, mais... le truc, c'est qu'il peut s'envoler quand il veut. Alors autant bouger et se dire qu'il restera. Oh, et si tu es à court d'arguments, tu peux toujours dire que Lisa préfère de loin ta planche à une Spark. Cara, Lisa a une Spark? C'est plutôt haut de gamme pour une débutante. Oui, elle a dit que son mari les fabriquait. Porter Mason fabrique les Sparks. Attends, Lisa serait donc... la femme de Porter. Dans combien de temps il arrive? Il devrait être là dans 15 minutes. J'ai besoin de 25 minutes, tu peux gagner du temps? Facile, j'ai plein de trucs à lui montrer. J'adore les photos de la station de ski. Ah oui? Ethan m'a envoyé tout ce sur quoi vous aviez travaillé. Voyager à travers les cinq sens, c'est une idée brillante. C'est vrai, c'est gentil. La rubrique voyage intègre le magazine. Je me chargerai des sujets et vous de la production. Je sais que vous êtes débordé en tant que responsable éditorial, mais si quelqu'un peut y arriver, c'est vous. Non.
Je peux pas faire les deux. Vous en êtes sûre? Je suis navrée, j'ai pas le temps. C'est impossible. Et puis, Ethan est génial. Il est surqualifié pour travailler sous mes ordres désormais. Vous devriez vraiment lui laisser la rubrique. Bon, très bien. Donc finalement, vous n'abattrez que deux fois plus de travail que n'importe qui d'autre au lieu de trois fois plus. Je dirais pas non à une augmentation. Oh, désolée, je vous entends pas, ça coupe. Syndra, merci de votre soutien. On se voit lundi au bureau. Je suis impatiente. Je le crois pas, c'est une blague. Eh ben, j'en connais une qui va retirer toutes ses vannes sur la manière dont je lui suis rentré dedans l'an dernier. Ça va, tu vas bien? Ah, je sais pas. Attends, laisse-moi vérifier. Ah, j'ai peut-être quelque chose. Je devrais peut-être consulter. D'accord, j'appelle qui? Jeanne, est-ce que tu t'es fait mal? Non, j'ai bien. T'es sûr? Ouais, tout va bien. Encore une fois, je suis désolée. Bon. Et c'est comme ça qu'on justifie le coup tout en un primat. De Seattle aux Alpes Suisses. Il faut bien démarrer quelque part. Une planche pour les débuts. Et vous avez un nom pour ce modèle? Il est fort, léger, gracieux. Il est comme une partie de vous. Et il vous portera où vous avez toujours rêvé d'aller. L'aile. C'est efficace. Ah oui, c'est bien trouvé. Oui, mais si je dois lancer la production à grande échelle, il faut que je la voie en action. Je m'attendais à ce que vous disiez ça. Venez, suivez-moi. Vous reconnaissez quelqu'un? Lisa? À vous de jouer. Très bien. Avec tout cet équipement, j'ai l'impression que je pourrais voler. Mmh. J'y vais. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Il faut bien commencer quelque part. Oui! Très bien! Vous raidez? Ça y est, vous croyez? La première étoile est pour vous. C'est sûr, c'était vraiment... Chérie, tu es incroyable, c'était super! C'est gentil, merci. Il faut dire qu'entre la planche de Ben et les quelques leçons de ma prof particulière ici présente, ça a été plus simple. Je suis vraiment très impressionnée. Oh, et regarde ce casque, chérie, il est super. En fait, il est fait de telle sorte qu'on peut faire passer une queue de cheval. Pas idée à quel point c'est pénible, ça. C'est un autre prototype. Vous m'avez convaincu. Je veux commencer la fabrication de ces planches et de ces casques aussi vite que possible. Vous en dites quoi, Ben? Prêt à déployer vos ailes? J'en dis que je suis prêt à décoller. Si vous aviez des doutes après avoir quitté Sian, sachez que vous étiez le seul. Le reste de cette industrie a toujours cru en vous. Je suis fière de toi. Je le fais bien. Absolument, il n'en faut pas plus pour être médecin. Il suffit simplement de bouger les choses et de remettre en place au hasard. Oui, j'en sais rien. C'est bon, je vais bien. D'accord. Pour être honnête, j'espérais bien te tomber dessus. Ah, oh, désolée de t'avoir devancé. Megan. Tu sais, quand je t'ai dit que la dernière fois où j'ai vraiment été bien, c'était ici, je disais la vérité. Mais je réalise que ce n'était pas que le fait d'être ici qui me faisait du bien. C'était d'y être avec toi. C'est exactement ce que je ressens aussi. Personne ne m'a encore remplacé à l'hôpital. Je peux revenir à Seattle. On devrait y réfléchir. Ce week-end, j'ai réalisé que j'avais fait passer ma carrière avant des gens qui comptaient beaucoup pour moi. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est... terminer les rendez-vous manqués. C'est Ben. Allô? Allô, Sean. Est-ce que t'es avec Megan? Elle est pas loin. Super. Parce que j'ai besoin que Kara sorte du chalet pour quelques heures. Tu te souviens du plan dont je t'ai parlé? Il est de nouveau d'actualité. C'est vrai? Oh oui. Compte sur nous. Il faut que tu me files un coup de main. Non,
je sais pourquoi vous vouliez cette nouvelle fin, mais c'est plus authentique s'ils finissent par se marier. Génial, merci d'être si compréhensif. Il y a moyen que tu demandes à Amanda de rédiger une seconde critique du manuscrit ? Quoi ? Ils veulent bien revenir à l'ancienne fin ? Eh bien, ça n'a pas été facile, mais mon éditeur lance une nouvelle maquette. Je suis fière de toi, Cara. Je suis littéralement épuisée. Combien de temps on est resté dehors ? 2-3 heures ? Aussi longtemps que ça ? Le temps file sur un snowboard. Je suis contente qu'on ait pu avoir un peu de temps ensemble. Ouais, comme au bon vieux temps. Allez, faut que je me bouge. Je vais retrouver Ben au chalet. Ok. Tu viens ? Non, tu me connais, j'ai un peu de boulot à terminer. Du boulot ? T'es sûre ? Parce que là-dessus, on dirait une photo de toi et de Sean. Très bien. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une amie comme toi ? Faut croire que t'es une grande vénarde. Ça, c'est sûr. Bon. À plus tard. Ouais. Agatha Christie. J'étais en train de le lire l'année dernière. T'as essayé de me dévoiler la fin. Tout ça est incroyable. Et depuis, je l'ai lu 2 fois. Alors même que je connaissais la fin. Et c'est là que j'ai réalisé que même si je ne pouvais pas te surprendre, ça ne voulait dire que tu n'aimerais pas l'histoire. Mais comment t'as réussi à faire tout ça? J'avoue que Sean m'a un peu aidé. Non, c'est faux. En réalité, il m'a énormément aidé. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Oh, c'est pas vrai. Et je ne sais pas où va cette histoire, mais je sais que si on est ensemble, elle aura une fin heureuse. Cara Reno. Est-ce que tu veux m'épouser? Tu te trompes sur un seul point. Lequel? Je suis surprise tous les jours d'être tombée sur un homme comme toi. Bien sûr que je veux t'épouser.